les amis, ça sera l'épisode 7 de The Last of Us 2. Après, dès qu'on a mis l'essence dans la porte, on sortira de. J'arrêterai l'enregistrement. 5774. C'est pas mal passé. Un bond dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant j'en ai envie. Lieutenant Torres. Il y a 70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. La vie suit son cours et le cycle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et grâce à votre générosité, nous quittons la vie écartée de vos courageux soldats. Mais merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner nos maisons, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge. J'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé pour votre tâche. J'ai pour vous une dernière. Ah, ça s'est coupé, non? Une dernière quoi? Pensez, chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de deux pas dans sa direction. Gardez espoir en avenir. Comme le dit Edwige, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège. Rabbit Ziva Thunder. J'espère que vous êtes sains et saufs. Ah, elle est partie, elle m'a pas... Elle est partie. Ah oui. Quand je pense à lui, je ne vois que sa peau ouverte, sa mâchoire pendante, ses tripes déversées. Je ne veux pas qu'elle se souvienne de moi comme cela. Je préfère mourir seule. Est-il à tes côtés à la fin? Pour que, contrairement à moi, plus que la foi dans le douleur. Je cherche la foi par la douleur. Mais non. J'ai le motif. Ah, attends. J'ai oublié ça. Alors, on sort de là pour aller là. Voilà. On saute. Eh bah punaise, ouais, elle est courageuse. Hein. Le portail maintenant. Ouais. Mais là, pas avant, je vais à quoi sur la route. En avant, Payette. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Eh, tout va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Ouais. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Ah, je suis à la trappe de la porte. Non. Franchement, attends. Cette idée me plaît beaucoup. Pour te le dire. Vraiment. Mais quoi? Ah, c'est mal fait la carte. Là, je vais près du portail.
Moi, j'ai pas envie de prendre de passage, je prends de la route pour voir ce qu'il y a. Je sais pas, peut-être des munitions, un truc comme ça. Je sais pas m'indiquer, mais on est pas écarté. Bon, au moins on remonte. Bien. Sur la droite. Non, j'ai en plein mur. Mais arrête. Et là, il faut quand redescendre. Ah, peut-être ici, non? Attends. Non, c'est plus loin. C'est ça, hein? Bon bah, si je trouve pas... Ouais, c'est génial, quoi. Je vais explorer un peu, mais si je trouve pas, c'est pas possible. D'accord, en fait... De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il y a un convoi droit devant. Je sais pas c'est quoi ici. On dirait une embuscade. T'as vu les impacts de balles sur le côté du camion? Sûrement nos potes du WLF. Enfin, nos potes. Il y a des claquards. Oh vache. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Tout est en place. Nous vous attendrons. Une fois le convoi arrêté et les officiers de la FEDRA capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire perdre ta loyauté envers la cause et apprécier Isaac. C'est dur, quoi. Ah, c'est bon. On a fini, maintenant on va y aller au portail. Wouhou! Après, dès qu'on aura ouvert le portail, je vais vous laisser là. En gros, ça aura fait quelques minutes. Attends, je me trompe pas. En plein. Si je vais là, ça fait quoi? Pourquoi ça tombe comme ça là? Non, c'est là, non? On va descendre comme ça. C'est plus sûr. Après, on va aller dans la grande rue, là. Après, on va descendre. Après, t'as quoi, tu me disais tout à l'heure, là? Ah bah oui! Ah bah oui! On va passer comme ça, c'est peut-être mieux, non? Les militaires ont pris une sacrée branlée. Ah merde, c'est le WLF. Ce type-là, il déconne pas. Ah.
Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Non. C'est par là encore. Ah, pourquoi je suis descendue? Ça sert à rien de descendre. C'est là-bas? J'en sais rien. Franchement, je m'en peux plus. Ça, je veux comme ça. Et comme ça. Ouais, c'est bon, je me rappelle un peu de ça. Ouais, c'est là-bas, c'est tout droit. Ok, je vois. Eh ben, quelle aventure. Pourquoi je commence à faire des recherches? Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Ok, je m'en charge. Tu peux taper le code. Ces vieux générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Alors, attends. Code des portes contre eux. Attends, c'est quoi déjà comme porte? C'est... D'accord. Hop, hop. Ah mais arrête! Ah c'est... C'est 53-45. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. Wolf. WLF. J'ai compris. Ah ouais. Ça se tient. Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil, du coup. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ah, quelle connerie. Ok, ça c'est fait. Celui-ci est encore chaud. Il y a un loup sur son insigne.
On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un vulgaire infecté, il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, ce serait pas juste. Autant profiter d'être là pour faire le plan. Non, est-ce qu'on peut faire des soins ou pas? Non, il manque une feuille. Ah, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je fais des soins, de toute façon, j'ai deux. Ouais. Là, je suis pas dans la merde. Plus tard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ah! Attends. C'est pratique ça. Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Hé, hey, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de Rab, on sait où en trouver. Alors, en fait, on sait que le bon chemin, c'est en haut. On a mis un grondement. Alors, on va voir ce qu'il y a en haut. Après, je vais vous laisser là. Comme ça, je vais prolonger un peu la vidéo d'une minute ou deux. Je le reconnais pas non plus. Tu dis ça, toi? Les manettes d'entraînement vous donnent accès à de nouvelles branches de génération. Préparation, un guide de survie pour la majorité de silencieuses. Todd Regan. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant ça. Bon. Comme ça, on va faire une bouteille. Samedi 29 mars. Note 3. On a tué au moins 3 de ces brutes contre quelques blessés de notre côté. Au lendemain, des pertes subies. Ça faisait du bien de riposter. Ce jour-là, on a élu Isaac comme nouveau commandant. C'était un peu tendu. Le fait qu'il ait été exécuté sommairement des prisonniers dérange plusieurs personnes. Mais je l'aime bien. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Vendredi 4 avril, je suis crevée, mais c'était pas étonnant. On a reçu 8 nouvelles recrues en quelques jours, et 6 d'entre eux étaient des désastres de la FEDRA, la directive d'Isaac Carton. Ou alors, c'est tout ce fuyeur, on en prend au sérieux maintenant. Le WLF est devenu une véritable alternative.
On va dégager ces fascistes et reconstruire leur fondation qu'avaient pensé Emma et Jax et Jason. Eh ben, j'ai pas gagné. C'est quoi? Enfin, ça dépend comment tu mets. Parfois, tu les vois, mais ça dépend de l'angle. Première carte. Pourquoi? C'est pas nouveau, je récupère ça. Hein. Attends. Je crois qu'on a pas changé. Sans faire un peu ça possible. Ça peut se bloquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une cinématique. Et c'est là qu'il se fait. Ah! De toute façon, il peut pas. Hein. C'est un coup de Tommy. Quoi? Pourquoi? Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. T'es sérieuse? Comment tu peux savoir? C'est un des types qui a tué Joël. Pas faux. Enfin, je crois. Merde. Il y en a un autre par ici. Oh, il adore tuer. Hein. Bah, Coco, tu me diras, il fait ça pour se venger de son frère. Oh, il est bien homme moche. Quoi? C'est quoi que c'est marqué porteur? Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. De pourquoi? Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. C'est ça. On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Allez, on peut sortir par là. Et peut-être rejoindre Tommy. Ouais. Arrête! Mais pourquoi tu... C'est trop, hein. Non, ça va. Yo, mon cheval. Il vient pas, hein. Tu m'avais dit que Tommy en avait bavé par le passé, mais... La vache. Je sais. Est-ce que ça va? C'est pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Vous savez quoi? Je sais pas où je vais. Ah, il y a un portail là-bas. Peut-être passer par. Oh non! Tu vas voir. Hop, il y a plus de. Et moi du portail. Tu te souviens des codes? Celui écrit avec du sang? Ouais. Tu vas voir, il n'y a plus de sang. Je sens le truc là. On va récupérer ça. Parce que quand pardon, on a quand même trouvé de l'essence. C'est bon! Qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok.
Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infectés. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit coup. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon dieu. Chopez l'autre, la perdez pas. Allez. Oh putain. Fais chier. Mais c'est pas ça quoi, c'était sérieux. Ah, super. Oh, ça m'a surpris, je pensais pas savoir qu'il y avait une bombe, quoi. Enfin... T'es qui, toi? Je pensais pas te revoir un jour. Tu le connais? Oh là. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? On est que tous les deux. Juste vous deux. Tu m'arrêteras pas. Ah bah ça c'est sûr. T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Joël. Cette fille était là. Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, mais Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Go. Attends, fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler, qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. On sait combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir. Attends, elle va les tuer. Tu peux pas. Hein? Qui a fait ça? C'est elle! Qu'est-ce que je dois faire? Il y a du verre. Il y a du verre. Gina! Ah! Je fais quoi? On fait attendre! Allez, vas-y! Allez! Allez, cours! Est-ce que ça va? Ellie. Il faut qu'on parte. Ils ont forcément entendu les coups de feu. Regarde, c'est une des leurs. Viens, on verra ça plus tard. Attends, on dirait trois. Sur télé, sur la carte. J'en sais rien du tout. Allez, putain, Ellie. Bon, bah, on va encore se laisser là. On va pas en tête les buter, peut-être. Hein. En beauté, comme on tranquille, non? Une shot. Il est mort. Ouais. Bah voilà. Enfonce. T'as vu combien de gardes? Suffisamment. Il faut qu'on foute le camp ici. Bon bah Jimmy, on va passer la porte. Et après on va aller. Pourquoi c'est comme ça? Putain de merde. C'est quoi? C'est pas là. Oh, je l'ai pas eu! Oh, c'est joli.
attention. Ah, cours, cours, cours. Ah, mince. En fait, vous savez quoi? En fait, on va être d'abord. J'espère que j'aurai du temps. Parce que je sais pas combien ça fait une minute. Hein. Il n'a pas pris feu. Ah, j'ai pas assez. Il est où? Ah, il y a des sérieux. Sur ta droite, hein? Ah, putain. En fait, ouais, je vais. Si j'arrive pas à les tuer, c'est pas grave. Je ferai pas ça hors vidéo, mais je ferai ça avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Casey, bloque-les. Attends un peu. Putain, c'est trop puissant, quoi. Forcez le passage. Compris. Ah. Voilà. Allez. Allez, piégé. Là, devant. Bon. Vous savez quoi? On va comme c'est là, ça doit faire peut-être un bon 50 minutes qu'on est ici. Bah, ça va passer un moment à deux secondes.